Bonjour Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole. J'en fais dans lundi, votre chef à la maison, quand tu es là, nous, moi dis nous merci. Merci pour bouche à l'oreille que nous fait pour moi, merci pour partager, nous continuer à partager vidéo. Moi prends un petit temps pour me saluer quatre super membres de JFL Cuisine Créole. Moi saluer Marie MC, Angèle Valentin, Teddy Clermont et Marie-Math Souli. C'est une invention là. Moi prends le fait un flan de manioc à la manière créole. Ça y est, c'est par recette nous gagnons dans la cuisine nakanon déjà. Ça y est, c'est invention. Oui, bienvenue sur JFL Cuisine Créole. Là, moi gagne manioc, moi là, moi vais faire deux tasses manioc. Moi gagne blanc œuf, moi gagne crème 35%. Sous pas une crème 35%, ok, et tout, on va mettre lait, ok? Qu'on a monté nous, ça me fait caler manioc là. Fin caler manioc là, nous connaissons la mi-temps, on gagne un fil. Malé, me fait ça. Ça, c'est lui-même, et la mi-temps, ça fait de l'ail. Qu'on a un petit morceau avec lui. Là, moi gagne deux tasses de manioc. Moi, monte nous tout ingrédient pour l'utiliser. Qu'on a là, moi, pour commencer avec vous. Pour moi, faire flan de manioc là, même venir avec deux tasses de manioc là, moi, mettez. Ça, c'est crevette de matane. Mais on peut prendre n'importe sorte de crevette, moi, mettez une tasse de crevette. Ça, c'est le gobeige. C'est lui-même, nous te carré un faux crabe. Si toutefois, ou même, quand on va vivre, on pas de gobeige, c'est crabe. Ou à peine, prend viande crabe là, on mettez la donne. Moi-même, moi, dis-nous, c'est un bagay créole, moi, je mettez en valeur. Moi, mettez pour piment vert là-dedans. Maintenant, pour piment vert là, on va conserver un petit grain là-dedans pour capoter un petit goût piquant. Moi, mettez la donne. Si toutefois, ou même, vous ne voulez pas utiliser piment vert. Boucle en pays noir, ou va acheter tabasco pour mettre là-dedans. Moi, vini avec crème 35%, c'est une tasse ça y est, m'a mettez une tasse et demi. Moi, mettez crème 35%, c'est demi. Moi, mettez un petit poivre là-dedans. Et moi, mettez un petit sel là-dedans. Quand on a même celle-là, mettez selon j'en mange. Quand y a là, moi, pour le blender. Une fois qu'elle finit de blender, qu'on a mal monté nous, l'autre bagage nous va le faire encore. Qu'on y a, mettre des tasses blancs zéa, on va le monter en neige. Si toutefois pas qu'on mixe cela, qu'on va battre à la main, qu'on a mal monté qu'il est là bon. Moi pas mettre en rien là dedans, d'accord? Voilà, c'est prêt. C'est bien sec. Je me dis sec ici dans le sens qu'elle bien prend là. Je vais montrer non, il pas de petit liquide là du tout là. Nani, ouais, c'est bien gâte. C'est dur. OK? C'est sec, c'est ça veut dire sec. On a mettre l'un côté. Moi venir avec mon bol mettre en plein centre. Regarde ça. Mets tout manioc, fruit de mayo qui était cassé dans ça. Moi déposer manioc là avec tout fruit de mer là-dedans. Mais blanc d'œuf là, moi y a mettre tout là dedans d'un coup. Qu'on a là pour pas le soulever. Pour lui bien rentrer là-dedans, bien rentrer. Une fois que moi bien mélangé manioc moi avec fruit de mer là et blanc dehors, qu'on a là moi venir gagner ça devant là. C'est parfait. Qu'on a là moi le mettre dans moule. Moi venir mettre dans petit moule aluminium pour nous parce que moi besoin apprendre nous un bagage dans boule dans petit bagage plateau aluminium ça. Peu importe ça n'a fait dans sorte de petit plateau ça yo, nous pas besoin beurrer parce que aluminium là il fait pour ça même. Moi vider là dans lui. Ça c'est un flan de manioc lié, hein?
bien fait. C'est bien fait. Quand y a la moi te foua à 320 degrés, moi pour le mettre cuite là, qu'on a nous parler après ça m'a venir sonner. Quand y a là 25 minutes plus tard, qu'on a moi le sorti flan. Waouh, mais c'est ça. Ça c'est un flan de manioc et fruits de mer, d'accord? Ça c'est pas une recette qui existait dans culture, dans cuisine pas nous. Ça c'est invention pas moi. Bienvenue sur JFL Cuisine Créole. Qu'on a après ça m'a coupé pour nous, c'est très très beau et c'est bon aussi là. Bien assaisonné, un petit goût poivre là-dedans et un petit piment créole, c'est parfait, c'est excellent. On quitte en 10 minutes tomber, après ça m'a coupé pour montrer nous. Il y a 10 minutes fini couler pendant qu'il a refroidi qu'on a nous va trancher pour nous ouais qui ça résultat baille. C'est JFL Cuisine Créole, hein. Zenzen là, on aller là. Waouh. Succès sur toute la ligne. Bravo Fedor. Qu'on a on va déposer lui là, me lever lui. Pas oublier son flan lui, hein. Réussi. Regardez à l'intérieur, nous qui on gonflé. Qu'on a la salle à nous qu'a fait une belle sauce béchamel nous manger avec elle et nous qu'a accompagné avec n'importe quoi nous. Mais surtout salade hein, avec une bonne pâte aussi. C'est très très bon hein, non? Qu'on a la moitié pour me goûter pour nous essayer bon. Là pour me goûter, regarde, c'est succès sur toute la ligne. C'est excellent. Petit goût piment nous on te mettre là dedans, c'est vraiment bon. C'est bien bien relevé puis manioc la vienne bailler un autre goût. Il y a un goût comme si c'est sucré, c'est caramélisé, c'est très très bon. C'est la bonne cuisine de JFL, hein. Pas oublier de partager la vidéo ça pour moi, d'accord? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi. Votre chef à la maison, traite la canon. Merci, au revoir.